La République tchèque, la Hongrie et la Pologne ont été jugés par la Cour suprême de l'Union européenne. Les trois pays d'Europe de l'Est ont enfreint le programme de quotas de réfugiés lancé par l'institution après la crise migratoire de 2015. Dans son arrêt, la Cour de justice des communautés européennes a déclaré qu'en refusant de se conformer au mécanisme temporaire de relocalisation des demandeurs de protection internationale, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union européenne. Dans un mouvement d'urgence en 2015, les pays de l'UE avaient accepté de relocaliser jusqu'à 160 000 réfugiés en provenance d'Italie et de Grèce. La République tchèque, la Hongrie et la Pologne faisaient partie d'un petit groupe de nations qui avaient voté contre cette décision nommée le mécanisme de relocalisation temporaire. Finalement, seulement près de 40 000 réfugiés ont été réinstallés. Les trois pays n'ont accueilli pratiquement aucun résultat au cours des deux années d'existence du mécanisme.